Je vais dégrader, prendre du volume. Bon, les filles, je vais vous écouter. Hein. كريا فات بيزو الحجه مي فاقنا بصحتك لا عمره بيس جيسبير تي فاتو كالمي الحجه هو les filles, regardez-moi ce volume. Incroyable. J'aime trop. Waouh. Waouh. Regardez les filles, j'ai tout coupé. Je lui ai dit que je voulais du volume, alors il m'a dégradé et filé les cheveux. Il m'a fait un beau brushing avec beaucoup de volume. Franchement, j'aime beaucoup. Ça change, non? Ça fait plus femme, les cheveux plus courts. Aaron, Aaron, je t'ai acheté un cadeau, tata. Aaron, tu veux le cadeau? Oui! Fais bisous, je te fais. Je te donne. Encore, pas assez fort. Mes bébés, mon moment préféré, c'est quand je rentre à la maison et que je me mets en pyjama. Les filles, qu'est-ce que j'aime être en pyjama. Je sais pas si vous aussi, vous êtes comme moi, mais c'est le moment de la journée que je préfère. Oh, avoir un bon pyjama tout propre, être en pyjama, j'aime trop. Bref, les filles, faut que je vous montre. D'ailleurs, vous m'avez toutes demandé un code promo pour ça. Pour les plexis de chez Atelier Salam. Donc là, j'en ai installé un. Et faut que j'installe le reste. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Vous allez kiffer les filles. En fait, c'est des plexis avec des sourates du Coran, avec les ablutions et tout ça, qui sont faits à la main, qui sont incroyables. Et vous savez pourquoi ils sont incroyables? Parce qu'ils sont en plexi, ils ne sont pas en plastique. Et vous vous souvenez, j'en ai fait installer chez moi à Marseille. Et là, je me languissais trop de les recevoir pour les installer à Dubaï. Et là, j'ai emménagé tout ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris.
Regardez, déjà j'ai installé celui-ci juste à côté de mon lit, les filles. C'est une invocation pour la Palestine et je la fais tous les jours. Donc regardez, c'est écrit en arabe et en français. Et en fait, vous voyez, c'est en plexiglas. Je vais bien vous montrer là, je vais vous montrer les autres que j'ai pris. Et en fait, vous les mettez avec, vous voyez, des petits autocollants comme ça. Incroyable. Donc je vous montre les filles. Donc là je me suis aussi prise un, ça c'est un truc en bois pour pouvoir les poser aussi. J'ai trouvé ça magnifique. Et là du coup je vais tout ouvrir et vous montrer. Alors je vous montre tout ce que j'ai pris. Après on a plein d'autres, mais ça c'est ceux que j'aime. J'ai pris un peu les mêmes que j'ai à Marseille. Donc le dernier sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les invocations du réveil, la Palestine, je vous l'ai déjà montré, les ablutions, Ayat al-Kursi, je la connais par cœur, les invocations en rentrant chez soi, ça je vais mettre en bas, et les invocations en rentrant aux toilettes, ça je vais mettre dans la porte de ma salle de bain. Et ce qu'il y a de trop bien, c'est que c'est de la qualité, c'est des plexis, vous voyez, et en fait vous avez avec donc les petits autocollants que vous mettez. Et après, vous avez juste à les mettre et ça tient super bien. Regardez comment c'est canon. Donc ça, c'est la porte de ma salle de bain. Et vous voyez, vous avez les autocollants qui sont vendus avec. Donc là, j'ai mis l'invocation pour rentrer et sortir des toilettes. Et là, ici, j'ai collé mon plexi pour les ablutions. Et alors là, les filles, j'aime trop. C'est du côté là où je dors. Et là, regardez, j'ai mis le dernier sermon du prophète Mohammed sallallahu Ayat al-Kursi, c'est canon. Les invocations du réveil et du coucher et les invocations pour la Palestine. J'aime trop. Ça habille tout de suite ma chambre. Ça fait canon. وجئت إليك لا أدري أتقبل بي بعلاتي قصدت الباب وجئت إليك لا أدري أتقبل بي بعلاتي قصدت الباب. Les filles, je me languissais trop de les recevoir parce que je les ai chez moi à Marseille, mais ici je les avais pas. Et là, franchement, ça a habillé tout de suite ma chambre. C'est magnifique. Faut savoir que c'est fait main, donc il y a un délai d'attente à peu près de 7 jours, les filles. Et donc j'ai un gros code. Je sais que vous l'attendiez celui-là, les filles. 25% de réduction. Et moi, ce que je vous recommande, c'est les packs. Par exemple, comme le pack que j'ai. Là, vous avez déjà moins 20% de réduction et mon code promo, il est cumulable avec, donc ça fait moins 45% de réduction. Je vous partage ça. Sinon, les filles, franchement, ma coupe, j'aime trop. Il m'a pas trop coupé la longueur, mais il m'a bien dégradé. Donc, je trouve que ça fait beau. Ah, oh, là, les filles, je suis remplie d'énergie. Quand j'étais en fifi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis reposée. La seule personne à qui je parlais, enfin, les deux seules personnes, c'était ma mère. Et Saliha, qu'est-ce que je l'aime Saliha les filles. En fait Salia, je la considère pas comme une amie. En fait je la considère comme ma grande sœur et elle est sage, elle a bon cœur. Ça veut dire tout le temps elle est là, elle me donne de bons conseils. Je l'aime trop 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 les filles. Là, je fais mon petit gommage. Vraiment, Salia, je l'aime trop. Du coup, je vais aller me faire à manger. J'ai mangé du riz avec de la viande. Mon père, je vais retourner de la viande. Sinon, je suis requinquée là.
Ah oui, et quand j'ai coupé, je me suis fait masser deux fois. Je fais les massages drainant lymphatique, les filles. Ça, c'est trop bien. Vraiment, faites-le. En fait, ça permet d'enlever toute la cellulite, de casser la graisse et d'enlever la graisse. Et en fait, je voyais là, après, je me suis dit, c'est impossible, ça marche pas. Comment avec des massages, tu peux maigrir? C'est pas possible. Mais en fait, c'est pas des massages qui sont agréables. Et en fait, ça marche vraiment. Là, déjà que j'ai la taille fine, j'ai perdu en deux massages, deux tours de taille. Je vais vous montrer. Oh, instant, manque d'hydratation, mes lèvres. Hein? Franchement, les filles, les massages drainants lymphatiques, je vous conseille d'en faire. Là, j'en ai fait pendant. J'ai fait deux séances. Là, je reprends à fond. Vous vous souvenez, pendant le ramadan, je la faisais venir au début tous les jours, après un jour sur deux. Et là, je reprends un jour sur trois. Mais c'est vraiment bien. Regardez, je suis de nouveau toute sèche, les filles. Et en seulement deux séances, j'ai perdu deux tours de taille, les filles. Là, je vous explique, j'ai plus de graisse. Ça m'a affiné la taille. Déjà que j'avais la taille fine. C'est tout au niveau du dos. Moi, je fais bien au niveau du ventre, au niveau du dos, les filles, c'est incroyable. Vous pouvez faire au niveau des bras, au niveau des cuisses. Ça, moi, je touche pas trop, j'en ai pas trop besoin. Au niveau du visage aussi, vraiment, les filles, les massages drainants lymphatiques, ils sont incroyables. Et moi, j'ai la meilleure. C'est Mina. Donc, elle est entre Paris et Dubaï. Elle est incroyable, les filles. Mais faites-le si vous voulez être toute sèche, vous enlevez, vous drainez toutes les impuretés. Casser la graisse, enlever la cellulite et tout, massage drainant lymphatique. Sinon, les filles, je vous avais dit que là en ce moment je suis en mode perte de poids pour avoir mon summer body parce que j'ai pris du poids, j'ai pris 3 kilos. Donc, ce que j'ai fait, j'ai réussi à perdre, je suis mentale, j'ai pas perdu 3 kilos, je vous ai dit 3 kilos, j'ai perdu plus de 2 kilos, genre presque 3 kilos en une semaine. Donc, ce que j'ai fait, les filles, j'ai fait au Wari. Je suis choquée, les filles. En fait, ça me fait aller aux toilettes. Ma mère, elle a fait. Elle a maigri comme ça. Donc, comme je l'ai perdu du poids, je l'ai fait. Les filles, c'est une dinguerie. Donc, j'ai fait ça, plus les massages drainants lymphatiques. J'ai perdu presque 3 kilos. Et là, ça y est, je suis toute sèche. En fait, moi, ce que j'aime, c'est avoir le ventre bien sec. Genre, pas avoir de graisse au niveau du ventre. Et être fine, genre d'ici. Et avoir des formes un peu, mais pas trop, pas trop. Avant j'aimais les formes plus grosses, mais pas trop de formes. Et là, et ben, j'ai réussi à perdre mes kilos en trop. Donc je vais continuer. Après, moi je vais pas faire une cure trop longue, parce que j'ai pas beaucoup de kilos à perdre, mais je vais vous dire que ça marche vraiment. Et ce qui marche aussi, les filles, pour avoir la taille fine, deux conseils que j'ai à vous donner. De faire les massages drainants lymphatiques, ça marche trop bien. Et de porter des gaines corsées. Ça, je l'ai fait tout le ramadan. J'ai porté ma gaine corsée tout le ramadan. Et ça m'a affiné la taille. Après, chacun son style, les filles. Moi, j'aime avoir genre la taille fine et un peu de hanche. J'aimerais en avoir moins là parce que. J'aimerais être plus naturelle, ça y est, j'ai 27 ans. Mais c'est ce que j'aime. Et genre, des fois, je suis bizarre. Des fois, j'aime avoir une grosse poitrine. D'autres fois, genre, je vois les filles. Genre, les corps avec les filles, vous savez, les filles aussi qui ont pas de poitrine, genre, mais qui ont la taille fine et genre un peu de hanche, je trouve ça aussi trop beau. Les filles skinny aussi, je trouve ça beau. Les filles avec des formes, je trouve ça beau. En vrai, les filles, on est toutes belles. Qu'on soit skinny, avec des formes ou pas, on est toutes belles. En fait, moi, je trouve belles toutes les filles. J'aime pas les filles jalouses, des jolies filles. Ça, moi, je déteste. Moi, quand je trouve une fille jolie, eh ben, je vais lui dire. Et j'aime pas être jalouse d'elle. Moi, de toute façon, je dis tout le temps à tout le monde qu'elle est trop belle. À chaque fois que je vais croiser une fille, je vais dire, oh, tu es trop belle. Je sais que ça fait plaisir. Ah, allez, j'ai gratté toutes mes lèvres là. Ouh, j'en ai partout. J'en avais besoin.
Ça, si je le fais pas une fois par semaine, je crois non. Voilà. Tout me pèse. J'ai déjà reçu. Vous savez, les filles, quand genre je m'absente des réseaux, même genre 3 heures, après je reçois plein de messages, t'es où, tu nous manques, tes stories elles me font aller mieux et tout. Déjà quand je reçois ce genre de messages, et eh ben ça me fait chaud au cœur, mais ça me fait culpabiliser. Genre je me dis ben, les personnes qui me suivent, ils attendent mes stories parce que ben ça les fait rire, ils m'en donnent des conseils, ou voilà, ils aiment bien. Et quand je snap plus, ben, je culpabilise parce que je me dis ben il y a des gens qui m'attendent. Je sais pas comment vous expliquer, c'est trop bizarre. Trop bizarre. Mais parfois, voilà, j'ai besoin de couper. Moi, j'ai pas envie d'être sur les réseaux, de pleurer quand ça va pas ou pas, ou quoi. Genre, je me dis, il y a pire dans le monde, il y a des gens qui me regardent et qui sont pas bien, qui sont pas forcément heureux. Je vais pas venir, moi, apporter des ondes négatives. Genre, ça peut m'arriver, les filles. Parce que moi, j'aime trop me plaindre sur Snap. Mais je préfère apporter des ondes positives, voilà. Là, je suis toute bien, je suis toute requinquée, donc là, je suis à fond. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de coupures. Hein. Vivi98, déjà arrête de m'inventer des interventions. Au nom d'Allah, je n'ai jamais fait d'abdominoplastie de toute ma vie. Tu sais quoi, abdominoplastie? Si on te tire le ventre, on coupe la peau et on te recoue le ventre. Alors oui, j'ai déjà fait l'hypossuction du ventre, mais jamais d'abdominoplastie. J'en ai pas besoin, j'ai pas eu d'enfant, j'ai pas de peau à tirer. Voilà. Tu veux pas arrêter de m'inventer des vies, toi, Vivi98? Le lendemain, yeah. Je m'en fiche un peu de ce que vous pensez. Tout avec lui, moi je veux partager. C'est ma trop pétard. Sans lui, je peux pas. Ouais, le gros vénard, mon bébé d'amour. Je vais y aller où? Sans toi, c'est mort.
Les filles, à chaque fois que je vous parle de Owari, vous dévalisez. Là, il n'y a que de cerises en rupture de stock. Il y a des brûleurs aussi qui sont en rupture. Et franchement, je comprends. Je comprends parce que Owari, pour celles qui veulent perdre du poids, c'est une dinguerie. D'ailleurs, moi, je veux perdre du poids. Du coup, c'est ce que je fais en ce moment. Et c'est ce que ma mère, elle a fait pour perdre du poids. Les filles Owari, c'est une dinguerie. En plus, c'est naturel. C'est vendu en pharmacie. Ça a été créé par un médecin en pharmacie. Mais la vérité, ça fonctionne vraiment. C'est pas possible. C'est de la sorcellerie, Owari. Je vous jure, en une semaine, moi, j'ai perdu presque 3 kilos. Il me reste encore 2 petits kilos à perdre. Je pense qu'encore une semaine et c'est bon. Et ma mère, vous avez vu, je vous ai montré, et moi j'ai vu de mes yeux, c'est une dinguerie le poids qu'elle a perdu grâce à Owari. En fait, c'est très simple. Vous faites votre bouteille, vous la mettez au frais, vous faites votre préparation. Ensuite, vous buvez soit 2 verres pour perdre beaucoup de poids, soit 1 verre par jour. Moi, j'en bois un seul par jour. Et là, les filles, vous allez mincir. Ça marche trop bien et c'est 100% naturel. Allez, ma mère, elle essaye. Moi, j'ai un coup de pied. Elles sont belles, hein. Allez, ma mère, elle essaye. Moi, j'ai un coup de pied. Elles sont belles, hein. Fille, regardez ma mère comment elle a maigri. Montre comment t'as maigri. Ah, regardez. Combien t'as perdu de kilos? 14. En combien de temps? Je sais pas, on a commencé à Dubaï. Dubaï. En décembre. Donc ça fait décembre, on est février, deux mois et demi, un truc comme ça. Ouais, 14 kilos les filles, elle a perdu. Vous avez vu comment elle a maigri? Et t'as pris combien de thé par jour? Deux verres de thé. Deux. Ouais, en fait, moi je lui prépare sa bouteille pour la semaine et elle en prend deux. Tu les prends quand? Alors moi je fais, je les prends une fois le matin. Une fois en fin de soirée, pas en fin de soirée, milieu de soirée. Voilà, et regardez comment ça a marché, comment elle a maigri. Alors les filles, ça c'est le thé que ma mère utilise, donc c'est le Slim Tea. Je vous montre la préparation. En fait, il faut porter 1,5 litre d'eau à ébullition. Et une fois que ça bout, les filles, vous allez venir mettre entre 7 et 9 cuillères à soupe de thé. Regardez le thé comment il est, les filles. 3, 4. 5, 6. Les filles, vous éteignez le feu. Vous voyez, l'eau elle a déjà changé de couleur. Et ensuite, vous recouvrez et vous laissez infuser. Les filles, vous éteignez le feu. Vous voyez, l'eau elle a déjà changé de couleur. Et ensuite, vous recouvrez et vous laissez infuser. Les filles, vous éteignez le feu. Je vous montre, les filles, comment il est. Donc, c'est un thé qui est 100% naturel. Vous voyez? Et à l'intérieur de ça, il y a 33 tasses. Donc, si vous faites comme moi, vous prenez un verre par jour, ça vous dure un mois. Si vous en faut deux parce que vous voulez perdre plus de poids, il vous faut deux sachets pour un mois. Owari, les filles, c'est pas que pour celles qui veulent mincir, c'est aussi pour celles qui veulent prendre du poids. Donc, vous avez deux produits. Vous avez les gélules éveil appétit et vous avez le sirop à diluer que vous prenez le soir ou le midi avant votre repas, et ça vous permettre d'ouvrir votre appétit, donc du coup de plus manger et de prendre du poids. Et j'ai pas besoin de vous dire à quel point Owari ça fonctionne. C'est des produits qui sont vendus en pharmacie, qui ont été créés par un médecin en pharmacie. Voilà, c'est les meilleurs. Voilà pour celles qui veulent prendre du poids.
Je vous partage le code, les filles, je sais que vous allez faire razzia. Prenez votre stock parce qu'il y a très vite des ruptures de stock. Surtout que là, l'été arrive, tout le monde veut son body summer. Du coup, tout le monde commence au Harry. Donc, 25% de réduction sur tout le site, à part que cerises et accessoires.